Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes le mardi 1er février, 17h, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des mardis de l'IH2EF, un nouveau numéro consacré aujourd'hui à la présentation du colloque qui aura lieu la semaine prochaine dans les locaux de l'IH2EF sur le continuum SCO-SUP, comment piloter le Bac-3 à Bac+3, et nous allons en discuter aujourd'hui avec nos intervenants du jour. Je vous rappelle que pour chaque numéro de l'IH2EF, vous pouvez réagir à notre émission, poser vos questions à nos intervenants. Pour cela, c'est très simple, vous vous connectez à la plateforme Mentimeter et vous rentrez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Alors autour de moi aujourd'hui pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Charles Torossian, vous êtes directeur de l'IH2EF, bonjour. Bonjour. Et nous avons des intervenants à distance, en l'occurrence on va commencer par Guillaume Gelet, vous êtes vice-président de France Université, bonsoir. Frédéric Alexandre Bailly, vous êtes directrice générale de l'ONICEP. Frédéric Wexler, vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Cécile Lecomte, vous êtes présidente de l'association La Courroie. Emmanuel Leclerc, vous êtes vice-présidente de l'Université de Reims. Camille Dapoigny, vous êtes conseillère à la pédagogie du recteur de Rennes. Jean Pralon, vous êtes enseignant-chercheur en sciences de gestion. Antonietta Spéconia, vous êtes directrice d'IUT en région Grand Est et membre de l'Assemblée des directeurs d'IUT. Et enfin, Marc Dubois, vous êtes chef d'établissement dans l'Académie d'Orléans-Tours, en l'occurrence au lycée Charles Péguy à Orléans. Merci à tous de prendre part à cette émission. Nous allons la dissocier en trois parties. D'abord, une partie introductive qui va être un discours à trois voix entre Charles Torossian, Guillaume Gelet et Frédéric Alexandre Bailly. Et puis nous aurons ensuite une deuxième phase qui concernera les illustrations et les témoignages sur notre sujet du jour, avant bien sûr de consacrer une troisième et dernière phase à vos questions et aux réponses de nos intervenants. Je vais donc me tourner vers vous, Charles Torossian, pour débuter, ouvrir, introduire ce mardi de l'IH2EF. Parlez-nous déjà de la légitimité et du rôle de l'Institut pour accueillir ce colloque, et puis je vous laisse mener ce discours à trois voix que j'évoquais tout à l'heure. Bien, merci. Donc en effet, l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, un acronyme assez étrange en vérité, c'est la résultante d'une lente transformation. Un institut de formation des cadres de l'enseignement scolaire, initialement des inspecteurs, qui progressivement a pris sa place et sa légitimité dans une situation plus complexe, avec d'un côté nos acteurs et amis de l'enseignement supérieur, évidemment, et puis évidemment l'évolution de l'enseignement scolaire. Nous sommes maintenant, depuis un mois, rattachés au secrétariat général. Et comme vous le savez, ce secrétaire général chapeaute l'ensemble de nos deux ministères. Nous avons organisé au mois de janvier déjà ces journées d'études autour du Bac-3, Bac+3, de son pilotage qui préfigurait en quelque sorte bien ce que nous allons raconter durant ce colloque. Et c'était bien cette volonté que nous avions ici à l'Institut de pouvoir faire parler un petit peu l'ensemble des acteurs sub-ESCO, faire... je dirais, un pas de côté, en quelque sorte, dans notre institution. Ne pas paraître dans la verticalité, mais dans l'horizontalité, c'est notre projet. Je crois qu'il est en train de se réaliser. Créer communauté, tout à l'heure, je crois que Frédéric Alexandre Bailly en parlera, nous paraissait important tant la notion de l'orientation, les transformations qui ont touché les acteurs du SCO et du SUP ont été importantes ces dernières années. Il nous semblait important aussi d'avoir une focale sur le pilotage. Nous sommes un institut qui est en charge de la formation des cadres de l'enseignement scolaire, personnel de direction, personnel d'inspecteur, bien entendu, mais aussi les cadres administratifs. Et nous intervenons sur la formation des cadres fonctions support des universités et plus largement sur le développement professionnel de l'ensemble des acteurs de la fonction publique. Et donc, à ce titre, il nous semblait important
de rentrer dans cette problématique Bac-3, Bac+3, qui n'est pas nouvelle. Hein. C'est un sujet que nous traitons depuis une vingtaine d'années hein, dans les discours, sous l'angle du pilotage, c'est-à-dire du rôle qu'ont les cadres dans leur responsabilité, on en reparlera dans un instant, à faire réussir ce projet Bac-3, Bac+3. J'allais dire la première idée qui nous a semblé assez importante, et je vais me retourner dans un instant auprès de Guillaume Gelet, c'est de voir comment le lycée, qui était jusqu'à présent plutôt la fin d'un parcours pour les élèves, devient en fait aujourd'hui, notamment le lycée général, mais aussi le lycée professionnel, le lycée technologique, un début d'un parcours Bac-3, Bac+3. C'est-à-dire un parcours qui va aller au-delà du baccalauréat, qui n'est plus une finalité, mais un passage en vérité. Et donc nous avons un changement de paradigme profond. Et c'est tout l'intérêt, disons, de cette dynamique que crée le SUP dans le SCO, qu'il s'agissait de décrypter. Décrypter au niveau des élèves, donc ça, bien sûr, décrypter au niveau des professeurs, mais surtout décrypter au niveau des cadres. Nos cadres ont besoin d'être plongés, en fait, à donner du sens, en vérité, à ces transformations profondes, parce qu'ils sont les pivots de la transformation. Donc je crois que Guillaume, de ce côté-là, il me semble, et je me retourne vers notre collègue président de l'Université de Reims, hein, il me semble, Guillaume, que nous avons là une sorte de pression, pas de pression, mais en tous les cas, une dynamique hein, qui vient du SUP et que nous devons décrypter sur le SCO. Oui, bien sûr, et je pense que c'est une des conséquences de la loi aussi orientation et réussite des étudiants. Donc nous sommes confrontés dans nos universités à deux challenges. Le premier, bien sûr, la réussite de nos étudiants, avec notamment des objectifs de 60% de classe d'âge, titulaires dans un peu comme les premiers cycles universitaires. Mais nous sommes aussi confrontés à une gestion des flux. Et donc nous voyons donc l'importance de l'orientation sur ces deux enjeux. Donc nous devons conduire à la réussite de nos étudiants. Et nous devons, au-delà, parce que nous sommes confrontés à cette question des flux, faire en sorte qu'ils soient bien orientés dès le départ, donc pour pouvoir en accueillir le plus possible. Donc ça, c'est vraiment des enjeux qui sont extrêmement importants. Pour faire réussir nos étudiants, nos cursus donc, sont en cours de transformation, donc ça, ce sont les résultats de la loi ORE notamment, ils sont en cours de transformation, dans la licence générale, mais ils sont aussi en cours de transformation majeure avec la mise en place du bachelor universitaire de technologie. Je pense que Antonietta parlera sûrement de ces sujets, mais voilà, donc ça c'est vraiment un enjeu important. Et puis, donc concernant l'orientation, la prise de conscience que le processus d'orientation était quelque chose qu'il fallait débuter le plus en amont possible, donc dans une logique qui est plus... on pourrait la qualifier d'une logique un peu ponctuelle d'un travail d'orientation à un moment donné parce qu'il faut le faire, mais plutôt dans une logique de continuité, donc une éducation à l'orientation, donc tout au long du parcours du lycéen, pour le conduire donc à l'enseignement supérieur, donc avec une démarche qui a été construite en fonction de ses souhaits et construite avec les équipes pédagogiques du lycée, les équipes en charge de l'orientation du lycée, mais aussi celles des établissements d'enseignement supérieur. Et je crois que par rapport à ces enjeux-là, on avait besoin déjà de mieux se connaître, on avait besoin de construire des stratégies territoriales notamment importantes, et puis on avait besoin d'outils. Et je crois que les territoires d'innovation pédagogique, dans leur volet orientation, sont des outils qui nous permettent donc d'expérimenter un certain nombre de travaux réalisés, co-construits, entre les lycées, les rectorats et les universités. Et je crois que ça sera l'objet de cette discussion tout prochainement. Et voilà un petit peu les challenges et les outils que nous avons mis en place. Donc derrière, comme tu l'as dit, cher Charles, nos communautés donc travaillaient ensemble, mais se connaissaient peu. Il y a donc aussi besoin de mieux se connaître. Il y a besoin également peut-être de réaffirmer qu'on partage la même ambition pour nos élèves, pour nos étudiants, il y avait besoin aussi peut-être de réviser un peu les logiciels qui sont ceux que nous apporte la recherche universitaire en matière d'orientation et de réussite et les intégrer dans des stratégies derrière de formation de nos personnels. Donc voilà, ça fait partie des points qui sont des points importants. Alors je pense qu'on a bien avancé ces dernières années, mais
nous sommes donc encore en train de construire un petit peu voilà, cette réussite de nos futurs élèves et de nos futurs étudiants. Oui, bien sûr, Guillaume, et pour permettre à chaque jeune, finalement, de se réaliser, de mieux exprimer son potentiel, de mieux s'accomplir, je crois que le rôle des acteurs, et notamment des écoles cadres, doit être vraiment pointé du doigt ici, et je crois que c'est tout le sens du colloque. Cette responsabilité des acteurs, historiquement, elle reposait sur les épaules des professeurs. La théorie qui est développée aujourd'hui dans le parcours de l'élève, dans cette jonction entre les établissements du SCO et les établissements du SUP autour de Parcoursup, renforce le rôle des acteurs cadres. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui va être dit la semaine prochaine, c'est que les cadres sont le levier de la transformation et de la réussite de ce projet Bac-3, Bac+3. Cette responsabilité collective, elle doit être, disons, s'exprimer à travers le pilotage pédagogique, bien entendu, le pilotage de l'orientation, le déploiement et l'efficacité des marges d'établissement, des marges d'établissement scolaire ou du SUP. Et c'est tout cet environnement, cet écosystème qui est en train d'être transformé, qu'il faut réaffirmer. Donc moi, j'insisterai beaucoup sur le rôle des cadres, mais je crois que Guillaume, toi, de ton côté, du point de vue des universités, il n'y a pas uniquement les cadres qui vont intervenir dans la réflexion que nous allons développer la semaine prochaine. Non, bien évidemment, je crois que l'enjeu pour nous aussi, c'est de transformer ce premier cycle universitaire en accompagnant donc les étudiants dans une personnalisation de leur parcours qui maintenant se trouve commencer avec la réforme du lycée. Et je crois que nous avons dans les années qui viennent une accélération sûrement sur la licence générale à on va dire à accompagner et donc pour nos établissements l'enjeu de formation des enseignants et d'accompagnement des enseignants on va dire dans la rénovation des cursus pédagogiques et dans la prise en compte des attentes de personnalisation de ces cursus par les étudiants sera un enjeu majeur. Nos équipes, nos universités étaient déjà structurées autour de grands services de l'orientation, donc notamment à l'issue de la loi de 2007 qui avait été mise en place, accélérée. On était encore dans des écosystèmes qui étaient cloisonnés, je crois. Et donc, ce que l'on a besoin vraiment de construire, c'est ce décloisonnement entre le scolaire et le supérieur, donc sur ces enjeux. Et donc, au-delà de la formation des cadres dans les lycées, le dialogue entre les équipes pédagogiques des lycées et les équipes pédagogiques des universités est essentiel si on veut conduire à bien ce projet de cette réussite. Merci Guillaume Gellet, merci Charles Torossian pour ce propos introductif. Je vais me tourner à présent vers Frédéric Alexandre Bailly. L'idée, de, si on écoute Charles Torossian et Guillaume Gellet, c'est quoi ? C'est de créer une seule communauté apprenante finalement ? Je crois qu'il y a, il y a beaucoup d'idées qui ont été développées à la fois par Charles et par Guillaume. Ce lien à faire entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur pour que le continuum soit un vrai continuum entre le moins 3 et le plus 3. Et il y a aussi cette idée d'aider les cadres à pouvoir aider les enseignants à aider les élèves et les familles. Et donc on a un besoin de créer une communauté pour une raison assez simple, c'est que il faut effectivement qu'il y ait une communauté entre le SCO et le SUP pour que les élèves puissent grandir du lycée vers l'université et vers l'enseignement supérieur en sentant que bien sûr qu'il y a une frontière à passer, c'est une étape importante de la vie, mais en même temps il y a une continuité et on leur a présenté la réalité de ce qui les attend et les enseignants du SUP savent d'où ils viennent, donc il y a une vraie connaissance du milieu d'où les jeunes viennent et du milieu vers lequel ils vont aller. Donc il y a un besoin de se connaître, alors qui peut être développé aujourd'hui dans les PIA, territoires d'innovation pédagogique, mais il n'y en a pas partout, donc toutes les universités et toutes les académies ne sont pas concernées, et on voit que là où il y en a, il commence à y avoir une meilleure connaissance entre les deux univers. Et donc il y a ce besoin de développer cette communauté de vision sur l'avenir des élèves, mais il y a aussi un besoin de développer une communauté des cadres
au-delà des équipes pédagogiques, qui pourront s'appuyer les uns sur les autres pour progresser dans la compréhension de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, pour orienter et pour faire réussir. Et je crois que les deux vont ensemble, Guillaume l'a dit, c'est extrêmement important. Et par rapport à ça, l'une des ambitions de ce colloque, c'était de créer une première communauté apprenante qui allait s'appuyer sur la recherche et qui allait, avec de l'intelligence collective, pouvoir progresser ensemble vers des pratiques plus appuyées sur la recherche et plus efficaces. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on a donc fait un appel à communication, parce que c'est un colloque dans lequel il y a des communications de recherche et des praticiens qui vont présenter leurs pratiques. Et on a reçu comme réponse à cet appel à communication des propositions d'intervention et de papier de 7 disciplines différentes. Et ça, c'est extrêmement riche, parce que si on veut éclairer nos pratiques de pilotage, bien sûr, je prêcherai pour ma chapelle, c'est-à-dire pour le management, puisqu'on parle de pilotage, on parle de management, mais pour comprendre toutes les logiques qui ont cours par rapport à l'orientation, il faut aussi des travaux en psychologie pour comprendre le fonctionnement de l'esprit des jeunes. Il faut aussi des travaux en économie pour comprendre comment ça fonctionne globalement et comment ça a un lien avec l'insertion professionnelle. Il faut aussi des travaux en sociologie et qui se penchent beaucoup sur les questions d'égalité des chances. Et quand on parle de toutes ces pratiques-là, il faut aussi des travaux en sciences de l'éducation. Et ce qu'on est en train de créer avec ce colloque, c'est une possibilité de communauté, non seulement entre les cadres et les profs, non seulement entre le SCO et le SUP, mais entre les disciplines. Et je dirais qu'on est dans un acte fondateur de ce qui pourrait être en France la communauté des sciences de l'orientation, comme on dit les sciences de gestion qui recouvrent la finance, la gestion des ressources humaines, le marketing, etc. Alors, quand vous n'êtes pas en gestion, vous ne le savez pas. Mais ce pluriel me semble très très important, parce que pour avoir une compréhension de l'ensemble des éléments qui concourent à déterminer qu'est-ce qui sera une bonne pratique ou une bonne politique d'orientation, on a besoin de l'ensemble de ces contributions et on a besoin d'un aller-retour très important entre les chercheurs et les praticiens. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un début, un démarrage, et le démarrage de cette communauté apprenante qui va pouvoir progresser au fur et à mesure des années. Merci beaucoup Frédéric Alexandre Bailly, et je rappelle que vous êtes directrice générale de l'ONICEP. Et on va rebondir sur ce que vous venez de dire avec Frédéric Wexler. Vous êtes, vous, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Ma première question concerne justement l'orientation évoquée juste avant. Sur le terrain, l'orientation est-elle un objet porté actuellement par une communauté, justement ? Alors, en fait, accompagner un parcours, c'est favoriser, ce que disait Frédéric Alexandre Bailly, l'apprentissage des compétences à s'orienter. Et pour apprendre à s'orienter, pour acquérir ces compétences, il faut faire du lien entre les disciplines, il faut faire du lien entre les moments de son parcours et il faut faire du lien entre l'action et la réflexion sur son action. Donc oui, on a et du lien entre les différents acteurs qui interviennent auprès d'élèves. Donc c'est bien par cette culture commune et par cette communauté apprenante, éducative autour de l'orientation, aussi bien sur le plan des disciplines et des sciences de l'orientation, au niveau de la coordination des acteurs qui a été aussi développée par Charles Torossian et Guillaume Gelé. Depuis d'ailleurs la mise en place de l'activation du développement vocationnel et professionnel, la DGP qui était venue du Canada, qui a précédé l'éducation à l'orientation, on valorise beaucoup en orientation l'expérience à vivre. On doit vivre des expériences et on l'a longtemps conçu du point de vue de l'élève, du bénéficiaire final. Or, il me semble que pour faire communauté, il faut que ces expériences à vivre soient partagées au sein justement de l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le domaine de l'orientation et qui, effectivement, ils acquièrent des connaissances empiriques lors de l'enseignement, lors de l'accompagnement des parcours, mais il faut qu'ils confrontent finalement ces connaissances empiriques aux disciplines scientifiques, à la recherche et dans cet aller-retour dont parlait Frédéric Alexandre Bailly, entre la recherche et l'action. Et pour moi, c'est ça, cette communauté que nous sommes en train de faire vivre, aussi bien au niveau effectivement des disciplines que des acteurs. Quel type de démarche proposée pour élargir les espaces de liberté entre élèves et étudiants ? Alors, c'est vrai que l'orientation nous confronte sans cesse à des dilemmes
entre finalement une forme de conformité à nos origines socio-économiques, notre genre, notre territoire, et à cette envie de finalement transgresser un peu ses frontières. Donc en permanence, une personne, elle est dans une tension entre la certitude et l'aventure, la conformité et la transgression. Donc chaque itinéraire, c'est une composition, une recomposition permanente, complexe et vivante. Et finalement, nous, en tant qu'accompagnateurs, notre responsabilité, c'est vraiment de donner du sens à tous les enjeux qui ont été décrits au départ par les collègues et notamment à notre devoir de faire de l'éducation un chemin d'émancipation. Exupérer, d'après son étymologie, c'est bien permettre qu'une personne ne reste pas sur les rails qui semblaient dessinés pour elle, mais qu'elle puisse évoluer. Donc finalement, cette communauté, elle doit aussi favoriser la mixité des parcours, les parcours non linéaires, et même voir des changements radicaux dans les projets. Et donc ça, c'est vraiment un pas de côté par rapport à ce qui était envisagé jusque-là, où on accompagnait des parcours et où ça nous rassurait qu'un parcours soit assez linéaire. Donc la responsabilité qui est la nôtre à tous les échelons du système éducatif, c'est de favoriser, pour moi, l'apprentissage de la pérennité, parce que ça s'apprend d'être capable de prendre en compte de façon positive l'incertitude. Et ça s'apprend aussi bien en accompagnant les élèves que nous aussi, être capable de saisir l'aspect positif de l'imprévu et s'autoriser des prises de risque à notre niveau et s'autoriser des prises de risque pour l'élève, mais en l'accompagnant bien entendu. Alors faudrait-il établir éventuellement des cartographies pour s'orienter ? Alors c'est vrai qu'on utilise souvent la métaphore de la carte et de la boussole en orientation, d'ailleurs l'UNICEF a comme logo une boussole, même si maintenant elle est plus schématique. Mais en fait, la personne qui s'oriente, elle se pose la question, est-ce que la décision que je vais prendre, le chemin que je vais prendre, me permet de mieux me comprendre, de mieux comprendre le monde, de ne pas me perdre? Or, une carte, ce n'est pas le territoire. On sait bien que quand on dessine des cartes, qu'elles soient des cartes mentales, des cartes des filières, on fait des choix. Donc, si ces choix permettent d'ouvrir des possibles, c'est utile, et c'est un outil utile. S'ils dessinent des frontières, ils vont au contraire limiter les possibles. Donc, tout est dans l'utilisation et des cartes. Et c'est pour ça que la notion de pilotage, développée tout à l'heure par Charles Torresson, est fondamentale, parce que la notion de formation aussi, qui a été soulignée, puisqu'on a vraiment besoin, au sein de cette communauté, de voir comment on va être pertinent pour que les cartes que nous proposons, les cartes que l'élève va se dessiner, l'aide justement à ouvrir des possibles et à s'orienter tout au long de sa vie. Et merci beaucoup Frédéric Wexler, je rappelle que vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Nous arrivons à la fin de cette première partie introductive, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous allons pouvoir passer à notre deuxième phase. Alors, cette fois-ci, nous concentrons sur les illustrations et les témoignages sur notre sujet du jour. Et on va commencer par illustrer avec des dispositifs d'appui, nous allons en présenter deux. À commencer par le dispositif L, qui va vous être présenté par Emmanuel Leclerc. Emmanuel Leclerc, justement, est-ce que vous pouvez, dans les grandes lignes, nous présenter votre dispositif ? Alors oui, effectivement, comme vous l'avez dit, le projet L est un TIP, c'est un projet qui est porté par l'Université de Champagne-Ardenne avec les universités de Lorraine et l'Université technologique de Troyes, mais également l'Académie de Reims et l'Académie de Lorraine. Alors, ce qui fait la caractéristique du projet L, c'est qu'il est effectivement basé sur une approche Living Lab. On a centré fortement le projet aussi, on l'a appuyé fortement sur la question de la recherche. Alors, le Living Lab est porté par deux laboratoires dans le projet. Un premier laboratoire qui est rattaché à l'Université de Lorraine, le ERPI, et un second laboratoire qui est rattaché à l'Université technologique de Troyes, le L2A. Et effectivement, c'est cette approche de ces deux laboratoires qui nous permettent effectivement de mettre en place cette méthodologie un petit peu particulière sur le projet. Alors l'idée, c'est effectivement de voir un peu ce qui va se passer sur les deux territoires, à la fois en termes d'action, mais aussi en termes d'approche du Living Lab, et puis de réfléchir, d'avoir un peu une approche en deux temps, une approche un peu qui va un petit peu venir d'en haut, une approche qui va un petit peu venir par le bas, avec des journées du consortium qui vont être vraiment un travail initié sur l'animation et l'évaluation de l'innovation.
notamment. Enfin, effectivement, de voir ce qui, pour voir un peu dans les actions, ce qui est renforcé de ce qui existait, et puis voir effectivement ce qui est concrètement, véritablement de l'innovation. Donc l'idée, c'est effectivement de croiser nos regards par rapport à ces deux pratiques. Alors pour revenir rapidement, peut-être sur l'approche Living Lab, l'idée, c'est effectivement de faire remonter les besoins du terrain, alors à partir des différentes catégories d'acteurs qui composent le projet, et ils sont nombreux. Alors on va avoir effectivement les enseignants-chercheurs, les CPE, les PIEN, tous les personnels de l'orientation qui vont effectivement travailler sur le terrain. Et puis, on va effectivement devoir effectivement cibler sur certains sujets. Alors, la question de la formation, elle a été évoquée à plusieurs moments aujourd'hui. La formation des enseignants du second degré et du sup, bien sûr. Tous les outils liés à l'orientation, bien évidemment. Et toutes les questions aussi, tous les outils liés à l'immersion. Donc, le Living Lab va effectivement apporter un regard par rapport à ces questions. Alors, on va être sur un effet bottom-up, voir un peu ce qui remonte effectivement du terrain. Et puis, à l'inverse, un effet top-down où effectivement ces remontées vont être retravaillées, réfléchies au niveau du consortium pour pouvoir effectivement par la suite pouvoir essaimer la question de l'innovation, en tout cas l'évaluer et pouvoir effectivement l'essaimer. Et c'est bien dans cette réflexion entre ces deux niveaux qui va permettre de réfléchir aux manières de faire sur le terrain, de proposer, de construire également des outils d'accompagnement des différents acteurs entre les deux académies, afin effectivement de construire tout doucement cet écosystème de l'orientation, de rendre pérenne ce système de l'orientation, d'être dans un processus itératif, de voir effectivement comment on va pouvoir renforcer, proposer des outils, alimenter et faire évoluer concrètement tout au long du projet les différentes actions sur les quatre axes du projet L. Merci Emmanuel Leclerc pour la présentation de ce dispositif L. Vous êtes vice-présidente de l'Université de Reims. On va changer d'académie et cette fois-ci se rendre en Bretagne pour échanger avec Cécile Lecomte, cette fois-ci sur le dispositif Brio, dispositif territorial qui mobilise également les cultures du SCO et du SUP. Et je vous invite à nous le présenter, ce dispositif, Cécile Lecomte. Alors bonjour, donc Brio, c'est également un projet un PIA, territoire d'innovation pédagogique. Brio, c'est Bretagne Réussite Information Orientation. Alors, il est porté par l'Université de Rennes pour un consortium qui réunit l'ensemble des universités de Bretagne, le rectorat, bien sûr, et la région. Il est construit sur une approche systémique visant à créer et diffuser une culture commune de l'orientation à l'échelle du territoire jusqu'au plus fin, c'est-à-dire au niveau du lycée, de la classe. Alors, je pense qu'il faut souligner ici que ce projet est très porté par le recteur Etis, et ça, c'est très facilitant dans son déploiement, dans cette vision systémique, justement. Le public visé, ce sont les élèves de la seconde à la terminale et leurs familles, et les étudiants, on pense ici aux étudiants en première année qui sont dans une démarche de réorientation. Alors, un axe fort de notre projet, c'est le maillage territorial. Alors, maillage d'une part par la gouvernance qui se décline de l'échelle académique à l'échelle du territoire. Alors, le territoire est compris à la fois à l'échelle du département, mais aussi des bassins d'éducation de formation. Ça pose la question de la garantie tout de même de la cohérence du projet lorsqu'on l'envisage ainsi, tout en laissant l'autonomie d'action dans les territoires. On est parti sur un principe de déploiement par expérimentation. Ce maillage, outre la gouvernance, il se décline aussi par la mise en place de réseaux, de référents. On a des référents continuum dans tous les lycées, mais Camille Dapoigny nous en parlera juste après, et dans les formations d'enseignement supérieur. Également un maillage par la constitution de réseaux d'ambassadeurs étudiants et le déploiement d'actions pair à pair en présentiel, mais aussi en distanciel via un réseau social. Et on met une priorité sur nos actions en direction des lycées les plus éloignés des centres d'enseignement supérieur. C'est l'enjeu de la ruralité ici. Quelques points de vigilance. La difficulté de faire travailler cette communauté avec des cultures professionnelles très différentes et des temporalités aussi différentes. J'entends ici parler du scolaire versus le supérieur, les enseignants, les professionnels de l'orientation, les chefs d'établissement, les collègues des corps d'inspection, de la région. Aujourd'hui, après presque 18 mois de phase opérationnelle, je crois qu'on peut dire qu'on a aujourd'hui une dynamique de territoire et les équipes s'approprient vraiment Brio. Ça devient un objet de tous. Il nous faut maintenant travailler à l'essaimage et s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue.
Les enjeux à venir, je crois, pour nous, c'est d'embarquer à la même hauteur l'ensemble de l'enseignement supérieur. Je pense ici aux grandes écoles, au CPGE, au STS, mais aussi au campus des métiers et qualifications. Et bien sûr, l'idée est de faire vivre la dynamique de cet écosystème breton de l'orientation pour favoriser la réussite des élèves et des étudiants. Merci beaucoup Cécile Lecomte. Alors justement, on va interroger Camille Dapoigny. Vous êtes conseillère à la pédagogie du recteur de Rennes. Dans la continuité de ce que vient de nous dire Cécile Lecomte, quels sont les effets de ce continuum sur l'animation académique et quelle liaison peut-il y avoir avec le projet Brio et la formation des acteurs du réseau ? Oui, eh bien écoutez, Cécile a bien mis en avant, je crois, la nécessité de faire système. Et elle a aussi rappelé que peut-être l'ambition la plus forte du projet Brio, c'était celle de cette construction d'une culture commune autour de l'orientation. Et quand on dit culture commune, on voit bien l'importance de la cohérence des discours qui sont portés auprès de tous les acteurs et à tous les niveaux. Et on voit aussi qu'il est extrêmement important aussi de permettre la transformation des pratiques et que cette transformation des pratiques, elle s'inscrit nécessairement dans le temps long. Et je crois que voilà, c'est un élément aussi extrêmement important de ce projet Brio que de penser les choses non pas comme une transformation brusque, mais comme précisément quelque chose qui va se développer progressivement et permettre à chacun justement de trouver sa place à ce moment-là. Alors, Cécile a évoqué tout à l'heure la question des référents. Donc effectivement, il y a des enseignants qui sont référents continuum, on dit référents Brio, hein, dans chaque lycée public et privé de l'académie. Et pour réfléchir à leur formation, on a vraiment essayé de la considérer comme un temps de développement professionnel, justement sur le temps long, en inscrivant cette formation non pas sur une petite période, mais sur 3 ans. Et l'idée, c'est que le référent puisse devenir finalement auprès du chef d'établissement et avec les autres acteurs qui travaillent sur les questions d'orientation dans un établissement, hein, puisse en fait être une personne ressource pour accompagner le chef d'établissement dans la construction du projet d'orientation et dans finalement la manière de penser les différentes actions qui sont menées en établissement. Mais il faut aller plus loin dans le sens où si l'on est vraiment dans ce souci de la culture commune, elle doit toucher tous les élèves, c'est-à-dire qu'elle doit toucher ce qui se passe dans la classe, dans l'ordinaire de la classe. Et pour ça, finalement, ma position permet de me saisir de d'autres espaces, hein, d'autres espaces de formation et d'autres espaces d'échange collectif. Quelques exemples, la formation des professeurs principaux, hein, dont on sait qu'ils jouent un rôle essentiel, hein, dans l'accompagnement des élèves à l'orientation. Le travail qui est mené sur la valorisation de la voie technologique, qui permet aussi justement de réfléchir aux enjeux pédagogiques, hein, qui sont liés à cette voie technologique et à ses ambitions. La réflexion, et je crois que là il y a quelque chose d'extrêmement important, la réflexion menée en ce moment au lycée sur l'évaluation. Là aussi, il faut faire le lien avec la question de l'accompagnement à l'orientation, tant on voit que la question de l'évaluation, elle est évidemment très fortement liée à celle du développement progressif des élèves et à leur possibilité d'apprendre à se connaître. Ou en tout cas, il faudrait que l'évaluation soit cela et pas autre chose. Et puis, un autre point vraiment important, c'est de se défaire de l'idée qu'il y aurait des temps autour de l'orientation et des temps qui seraient des temps disciplinaires. Madame Exler l'a rappelé tout à l'heure, évidemment, il faut engager les inspecteurs disciplinaires parce qu'il faut que, très clairement, ces questions d'orientation, elles ne soient pas des questions connexes, mais qu'elles soient vraiment liées à ce qui se passe dans la classe et les compétences à s'orienter. Elles sont des compétences qui se construisent avec les apprentissages et elles sont des compétences transversales de manière très forte. Un dernier point peut-être, mais qui me paraît intéressant, c'est là aussi sur l'idée de tous ces lieux, hein, qu'il faut toucher, qu'il faut saisir pour avoir vraiment la possibilité d'agir en cohérence, c'est l'évaluation des établissements. En mettant au cœur de l'évaluation des établissements la question des parcours des élèves, et bien justement, on peut saisir là aussi à d'autres endroits, d'autres acteurs, et notamment engager les chefs d'établissement très fortement dans ces questionnements. Voilà. Tous ces éléments-là, en fait, pour dire que l'essentiel, c'est d'arriver progressivement à ce que l'accompagnement devienne véritablement un geste professionnel de tous les acteurs. Ce n'est pas simple. Cela demande parfois des changements de posture, de telle sorte que on arrive à ce qui est l'essentiel pour nous, c'est-à-dire que s'orienter, c'est quoi finalement ? C'est construire son chemin dans les apprentissages que nous offre l'école et que nous offre la vie, et c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir deux mondes, un monde de l'école et un monde de l'orientation, mais que finalement, s'orienter et être à l'école, c'est la même chose.
Merci Camille Dapoigny. Alors on parle beaucoup depuis tout à l'heure d'accompagnement des acteurs en colloque, c'est un sujet central dans notre débat du jour. Je vais me tourner vers Jean Pralon. Jean Pralon, justement, on a rendez-vous la semaine prochaine pour ce colloque à l'IH2EF. Comment accompagner les acteurs pour la communication en colloque ? Alors d'abord, l'ambition du colloque, c'était bien sûr de passer par de la théorie et par une démarche scientifique, c'est un colloque académique, mais le but c'était aussi d'agir sur les acteurs et donc d'avoir une influence sur les pratiques et les comportements des cadres dans leurs différents établissements. Donc on s'est dit que tant qu'à faire, pourquoi ne pas faire des cadres eux-mêmes, des acteurs de la création de connaissances et comment est-ce qu'on pouvait leur demander de participer à cet effort de création de connaissances et de prise de recul par rapport à leurs pratiques. Alors c'est un sujet classique en sciences de gestion, puisque finalement on est très souvent confronté à la gestion en pratique. Et depuis une quinzaine d'années, il y a des courants de recherche qui appellent à réfléchir à la gestion en pratique, ça s'appelle les courants as practice, donc on parle de stratégie as practice, HR as practice, et donc aller regarder ce que font vraiment les acteurs en leur donnant la possibilité de prendre du recul, et ça rejoint les débats qu'on connaît plus classiquement en psycho par exemple, autour du travail prescrit et du travail réel. Et donc l'idée c'était d'amener et de proposer à des cadres et à des acteurs de terrain de nous raconter ce qu'ils font et de venir vers nous pour participer à des ateliers au cours desquels on allait les aider à prendre du recul par rapport à ce qu'ils faisaient. Donc deux objectifs, le premier c'est de les amener, et c'est un peu une question de forme, à proposer quelque chose qui soit présent le jour du colloque et qui soit dans un format compatible à ce qu'on peut attendre d'un colloque en qualité et en quantité, et puis aussi les amener à prendre du recul et à théoriser un peu leur pratique en les amenant à reformuler et à progressivement à amener des grilles de lecture théorique sur leurs observations. Donc on a mis en place, grâce à Nicolas Ménagier, différents ateliers dans lesquels, avec toute la bienveillance possible, on les a amenés à formuler, à écrire, à réécrire, à formuler et à reformuler les choses, et puis à dialoguer aussi entre eux. Et ils sont arrivés plus ou moins facilement à une forme de connaissance partageable qu'on pourra échanger le jour du colloque. Et ils sont surtout arrivés, il me semble, à un niveau de partage et de collaboration entre eux qui les a amenés à faire deux surprises qui étaient, à mon avis, très inattendues pour eux. La première, c'est de voir que beaucoup d'acteurs dans une situation professionnelle comparable ne comprennent pas les contraintes qui pèsent sur eux de la même façon, et que différents acteurs dans différents établissements interprètent différemment les mêmes directives, les mêmes consignes, et donc il y a des formes de variabilité intéressantes à analyser, et que ce n'est pas un problème, et que c'est bien comme ça, et que c'est peut-être même dans leur rôle de fournir une compréhension spécifique de leurs ressources et de leurs objectifs, et puis aussi que leurs ressources elles-mêmes sont différentes. Et donc ils se sont plus ou moins rendus compte qu'ils étaient des acteurs divers qui interprétaient leurs ressources différemment, qui interprétaient leurs besoins et leurs objectifs différemment, et qui, de ça, formulaient des solutions, des propositions, des actions qui étaient en elles-mêmes intéressantes par leur diversité. Et du coup, on arrive à un début de communauté qui peut dialoguer à partir de contraintes identiques et de solutions très différentes. Et donc, le teaser pour la semaine prochaine, c'est qu'évidemment, on va les écouter raconter ce qu'ils ont fini par formuler, et évidemment, je suis assez impatient de voir ça. Merci beaucoup Jean Pralon. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes enseignant-chercheur en sciences de gestion. Alors on va poursuivre notre deuxième partie sur les témoignages et les mises en œuvre justement de ce continuum en se tournant vers Antonietta Spekonia avec une transformation majeure qui est en cours, c'est la mise en place du bachelor universitaire de technologie. Antonietta, est-ce que vous pouvez nous présenter ce bachelor et ses enjeux ? Merci beaucoup de cette opportunité qui m'est donnée justement pour présenter ce nouveau diplôme qui répond à cette réforme. Donc le bachelor universitaire de technologie, dit le BUT, est un nouveau diplôme qui, depuis cette rentrée universitaire 2021-2022, prend la place du diplôme universitaire de technologie. Il est un diplôme, et ça c'est très important, universitaire exclusif aux instituts universitaires de technologie, et il est donc différent des bachelors qui sont portés par des organismes privés. La formation qui est dispensée est une formation de qualité, elle est à la pointe, elle est dispensée dans les universités et bénéficie des apports de la recherche. Donc c'est en ça aussi où elle est une formation de qualité et une formation à la pointe, donc des apports de la recherche au service de la formation. Donc bien que le BUT évolue
dans les universités. Il conserve cependant un accompagnement qui est un accompagnement à taille humaine. En effet, selon les groupes de formation qui sont, par exemple, dans les filières secondaires ou les filières du tertiaire, hein, on a des étudiants au nombre de 26 ou 28 en groupe de travaux dirigés ou de 14 et 13 en groupe de travaux pratiques. Les frais de scolarité sont identiques à ceux des universités. Donc, on a des frais de scolarité qui sont de 170 euros et les boursiers en sont exonérés. Alors, je me permets de donner cette information-là parce que on a là une situation absolument merveilleuse. Hein. Sur notre territoire national, nous avons la possibilité d'avoir une formation de haute qualité pour un coût financier du côté étudiant qui est plus que modeste. La différence entre le diplôme précédent et celui-ci est que désormais, il s'agit d'un diplôme universitaire national au grade licence, qui s'obtient donc de façon ordinaire pour la plupart des étudiants sur un parcours en 3 ans, mais qui va cependant s'adapter selon certaines situations particulières, comme notamment les situations d'étudiants sportifs de haut niveau ou les situations d'étudiants qui peuvent rencontrer des difficultés cognitives ou encore des difficultés de santé. Donc, dans ce cas-là, on met en place des contrats entre eux et nous et on permet quand même une réussite, hein, puisque l'objectif pour nous dans les IUT, un étudiant qui entre est un étudiant qui sort avec son diplôme. Donc, c'est un étudiant qui réussit. Chaque spécialité de BUT répond à un programme national. C'est ce qui permet une reconnaissance identique, quel que soit le territoire dans lequel les étudiants sont formés. Par exemple, pour éclairer un peu ce que je dis, un étudiant qui s'inscrit dans un des IUT du Grand Est, puisque le Grand Est a été nommé tout à l'heure, va bénéficier de la même formation que celle qui est dispensée à l'IUT de Poitiers. Cependant, les parcours de formation vont pouvoir se différencier pour correspondre au territoire sur lequel ils évoluent et au bassin d'emploi de leurs différents secteurs. En effet, dans le bachelor universitaire de technologie, on a la possibilité d'adapter 30% du volume de formation aux besoins du territoire. Alors là encore, pour permettre de mieux comprendre ce que ça signifie, je prends exemple sur l'IUT que je dirige moi-même, qui est située à la frontière du Luxembourg et qui est proche de la centrale nucléaire de Cattenom. Donc de ce fait, la dimension internationale peut prendre une place au sein de cette adaptation locale, donc ce sera spécifique pour l'IUT de Thionville-Lutz, et pour ce qui concerne le BUT technique de commercialisation, et la dimension nucléaire va pouvoir prendre une place au sein des bachelors universitaires de technologie en génie industriel et maintenance, en hygiène, sécurité, environnement, voire même en génie biologique, parcours environnement. Donc voilà pour faire comprendre ce que ça signifie. Les BUT intègrent donc des parcours qui sont des spécialisations progressives qui démarrent pour la plupart dès la deuxième année et pour certains d'entre eux dès la première année. Donc là aussi, c'est une adaptation au regard de ce qui peut être attendu pour les étudiants. Alors, je vous donne quelques exemples de parcours. Donc, pour les filières secondaires, on a un parcours qui s'appelle automatisme et informatique industrielle. Pour les filières du tertiaire, on a un parcours qui s'appelle marketing digital, e-business et entrepreneuriat. La formation en BUT reste une formation sélective et bien sûr majoritairement accessible aux bacheliers, qu'ils soient des bacheliers généraux comme des bacheliers technologiques. C'est une formation qui est aussi ouverte à l'alternance, selon les endroits, dès la première année ou dès la deuxième année. Ça, c'est un choix qui appartient aux différents IUT. Le BUT se déploie comme le diplôme précédent sur 24 spécialités et sont 24 spécialités qui sont reconnues par plus de 50 années d'expertise au sein des IUT. Les niveaux de sélection, bien évidemment, intègrent la réforme du baccalauréat et donc il est question aussi de ces nouveaux profils de bacheliers dont parlera Marc Dubois aussi tout à l'heure, grâce à toutes ces relations que nous avons entendues par les collègues qui ont pris la parole précédemment, toutes ces relations qui s'établissent entre les établissements du secondaire et les IUT, comme ça a été présenté, par exemple, le programme L, ce qui n'a pas encore été nommé les campus métiers qualifications, et j'imagine que ça va faire l'objet de nos propos lors de notre rencontre la semaine prochaine, ou encore les cordées de la réussite dont parlera Marc Dubois tout à l'heure. Grâce aussi aux actions qui sont mises en œuvre entre les deux institutions et les équipes pédagogiques, qui sont composées de personnes et de personnels différents, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants, d'intervenants spécialisés issus de l'environnement socio-économique, afin de permettre à ces nouveaux bacheliers de mieux appréhender les attendus en BUT. Donc, c'est cet écosystème
qui nous permet de développer des formations qui sont des formations ancrées dans le réel, qui sont à la fois à la pointe des connaissances encyclopédiques, théoriques et techniques, des développements technologiques et qui répondent à la construction des compétences attendues par les secteurs socio-économiques. C'est la mise en place aussi d'une approche pédagogique davantage axée sur le développement et la construction des compétences reconnues et recherchées par les milieux socio-économiques. De ce fait, et c'est là où il y a une importance dans la transformation, dans les pilotages, etc., les enseignements considèrent encore plus la place et l'importance des situations professionnelles pour ancrer les apprentissages par une pédagogie du concret en correspondance avec les attendus du monde professionnel. Cela amène forcément les équipes pédagogiques à revisiter les pratiques d'enseignement, les pratiques de formation et aussi les pratiques d'évaluation. Par exemple, au-delà d'une évaluation des attendus académiques, il s'agit, enfin des contenus, pardon, académiques, il s'agit d'évaluer des compétences acquises par le biais de mise en situation professionnelle. C'est-à-dire qu'on va évaluer la progression allant d'une compétence simple vers une compétence complexe en plaçant l'étudiant dans une situation qui va lui permettre de mesurer la corrélation entre les savoirs académiques et les gestes professionnels. Pour conclure, donc, quant à une autre transformation de ce nouveau diplôme, le BUT vise d'une part l'insertion professionnelle dès sa sortie ou la poursuite d'études pour celles et ceux qui souhaitent aller, par exemple, vers un master ou une école. Et j'insiste, c'est donc un diplôme de grande valeur qui sécurise le parcours et répond aux desiderata des étudiants, quelle que soit la trajectoire qu'ils décideront de prendre. Je vous remercie. Merci Antonietta Spéconia, vous êtes directrice d'IUT, je le rappelle, en région Grand Est et membre de l'Assemblée des directeurs d'IUT. Merci pour cette présentation du BUT, le Bachelor Universitaire de Technologie. Eh bien, nous arrivons quasiment à la fin de cette deuxième partie. Il est l'heure pour nous de recueillir un nouveau témoignage et une mise en œuvre, surtout dans un établissement. Et en l'occurrence, c'est vers Marc Dubois que je vais me tourner. Marc Dubois, vous êtes proviseur du lycée Charles Péguy à Orléans. Expliquez-nous un petit peu comment se met en œuvre ce continuum dans votre établissement. Ben effectivement, orienter et faire réussir vers le supérieur, comme on a pu l'entendre dans les propos précédents, est au cœur de la réforme du lycée. Comment mettre en place cette réforme du lycée? Tout d'abord, le chef d'établissement a plusieurs leviers. Un cadre institutionnel, c'est un référentiel lié à la réforme. Il fallait l'apprivoiser dans un premier temps. C'est des ressources, c'est des moyens. C'est un projet académique. C'est aussi une carte académique des nouveaux enseignements de spécialité. Donc là, le cadre institutionnel. C'est ensuite, au niveau de l'établissement, un contexte d'établissement. Il a des équipes pour travailler. Ces équipes ont un niveau d'engagement plus ou moins variable sur le contexte. C'est un climat scolaire également, donc il faut prendre en compte lorsque l'on crée des changements profonds. Et une taille d'établissement qui entraîne aussi une prise en compte de facteurs de régulation. Et parfois aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, dans le cadre du projet Brio, des établissements urbains, des établissements ruraux, dans lesquels la réforme se met en place de manière différente. Et enfin, c'est des opportunités locales, encore une fois, par exemple, avec l'enseignement supérieur, des établissements supérieurs de proximité par rapport à son lycée, où on peut mettre en place des projets. Bon, même si depuis 3 ans maintenant, on s'habitue à développer des projets en distanciel, le présentiel est facilitant parfois aussi. On évoquait les cordées de la réussite. C'est des partenariats avec des écoles qui se créent dans un environnement proche sur des domaines novateurs comme le numérique, l'informatique. Il y a une école qui se crée à Vierzon sur ce volet-là. Donc, pour mettre en place ça, deux exemples concrets, notamment sur les enseignements de spécialité. Comment nous avons procédé? Tout d'abord, un collectif de cadres qui a travaillé ensemble à l'échelle académique puis départementale, où sont réunis des inspecteurs pédagogiques, des proviseurs, des chefs de service du rectorat pour éplucher le référentiel et regarder ce que ça va coûter, comment on peut le déployer et se conseiller ensemble. Donc, co-construire entre cadres et avec une déclinaison également académique, départementale. Ensuite, on arrive au niveau du terrain, dans l'établissement. Dans l'établissement, on a un conseil pédagogique et le conseil pédagogique a été force de proposition sur la mise en œuvre. Et là, il faut avoir l'adhésion des acteurs, l'adhésion des enseignants en particulier,
pour travailler ensemble sur l'offre d'enseignement de spécialité, déterminer des modalités pratiques de déploiement, des groupes de TP, des fonctionnements en barrette, des choses très pratiques, mais qui ont conditionné la réussite de la mise en œuvre. Ensuite, c'est bon, ça, on est sur du concret, hein, voilà, le terrain. C'est aussi, après, pour le chef d'établissement, ne pas oublier des perspectives. On a vu apparaître avec la réforme la nouvelle épreuve du grand oral, qui obligeait une réflexion sur des compétences transversales qui n'étaient plus attachées à une discipline. Et on a parlé d'ailleurs, on parle d'enseignement, on parle plus de discipline, et c'est vraiment important, c'est du décloisonnement au niveau des pratiques pédagogiques, et donc la nécessité de travailler sur des compétences orales. Donc un projet transdisciplinaire s'est construit au sein de l'établissement sur les trois niveaux du lycée pour travailler ses compétences propres. Et ces choix stratégiques ont eu des bénéfices. Des bénéfices, un premier et un très fort, c'est de travailler l'acceptabilité de la réforme dans un contexte de questionnement à son égard. Et ça, si vous vous souvenez, 3 à 4 ans en arrière, on était sur le terrain dans ces problématiques-là avec les équipes pédagogiques, et il fallait l'appréhender de manière positive, déjà réduire des contraintes d'emploi du temps, du quotidien. Voilà, ça, c'était rassurer tout le monde là-dessus. Rassurer tout le monde à ne pas perdre la qualité des pratiques, etc., avec une crainte de la dilution de la pédagogie du quotidien. Et puis, donc, on continuait à déployer. Il a fallu réfléchir, on l'a évoqué également tout à l'heure, à la mission du professeur principal qui évolue dans la voie générale. Et puis, enfin, on a également réfléchi sur les temporalités d'évaluation qu'on a également citées dans le parcours d'orientation tout à l'heure. Et on a évolué vers du trimestre vers le semestre. Des choses, encore une fois, relativement simples vues de loin, mais qui modifient le quotidien. Tout à l'heure, je parlais du travail sur les compétences. Ça a aussi été laisser la place à l'innovation pédagogique dans l'établissement. Et ça, c'est important. Quand on veut orienter, faire réussir vers le supérieur, il faut évoluer. Il faut permettre aux équipes enseignantes aussi de se mettre en mode expérience. Je tente des choses, je crée, j'innove, de faire en sorte que voilà, on n'est pas sur un référentiel figé, il faut évoluer. Et dans notre projet d'établissement, on a mis au cœur de la réflexion les compétences comportementales, le travail de l'oralité, le développement de l'autonomie, le soutien de l'engagement des apprenants. Et ça, c'est des compétences nécessaires pour réussir dans le supérieur, il me semble. C'est fondamental, c'est un socle commun. Et pour ça, il a fallu accompagner les équipes à ces expériences. Et on a pu ainsi créer, en partant d'initiatives d'enseignants, d'équipes, par exemple une coniclasse, une classe coopérative, une classe biode. Ce sont des thèmes qui sont transversaux et que les équipes peuvent s'approprier pour donner une force à leur quotidien. Et encore une fois, à quoi a servi le chef d'établissement dans tout ça? Le rôle tout simplement de facilitateur, mettre de l'huile à droite, à gauche, dans la constitution des équipes pédagogiques. Quand un enseignant vient porter un projet et qu'il dit ben voilà, pour que ça réussisse, il faudrait que je puisse travailler avec un tel et un tel, on s'est formé, on a des volontés communes. Donc déjà, tenir compte de ça, tenir compte des contraintes du projet, donner le temps au projet, et puis les accompagner au quotidien avec des partenariats, saisir les opportunités diverses et variées. Voilà, je ne vais pas détailler, ça sera l'objet des interventions lors du colloque de la semaine prochaine. Mais en tout cas, à travers ces innovations, c'était faire émerger le collectif du quotidien, permettre aux collègues de co-construire à travers des expériences, et ça crée de l'émulation et de la motivation qui sont importantes. Et si les équipes ont cette émulation et cette motivation, ils la transmettent au quotidien aux élèves, et c'est avec une envie de réussir, je l'espère, pour eux. Et merci beaucoup Marc Dubois pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes proviseur du lycée Charles Péguy à Orléans. Nous arrivons donc au terme de cette deuxième partie de l'émission consacrée aux illustrations et aux témoignages sur notre sujet du jour, à savoir le continuum Bac-3, Bac+3. Et je vous propose de passer rapidement à quelques questions-réponses. Nous sommes un peu pressés par le temps, mais nous avons le temps de consacrer quelques questions, afin de nous intéresser plutôt aux questions que vous avez posées sur la plateforme Mentimeter. Et je vous invite d'ailleurs toujours à réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Une question de Marc Ferralis, inspecteur académique et inspecteur dans l'académie de Normandie, qui pose une question. Sur quels objets faudrait-il travailler en priorité les enseignements du SUP et du SCO? Je vous propose à Frédéric Wexler de répondre à cette question. On peut faire travailler de façon collaborative et coopérative les lycées et le SUP. Déjà,
un très simple, c'est les attendus. On voit bien que les attendus vont avoir un effet très important en retour sur la façon dont les enseignants du lycée vont accompagner leurs élèves. Donc, bien entendu que les attendus me paraît déjà un objet de travail très intéressant. Ensuite, la façon dont les enseignants, par exemple, vont renseigner Parcoursup. Qu'est-ce qu'ils vont faire figurer dans ce domaine-là et comment ça va être compris. Justement, tout à l'heure, un collègue évoquait la façon différente, en parlant de comprendre les mêmes messages. Donc là, il y a un travail conjoint de langage commun. Autre sujet très intéressant, c'est l'évaluation. On a maintenant en terminale un projet d'évaluation sur la partie contrôle continu. On peut avoir des échanges vraiment précieux entre enseignants du supérieur et enseignants du SCO sur les compétences qu'on prend en compte dans l'évaluation. Vous voyez, les objets communs ne manquent pas. Et plutôt que frontalement, finalement, prendre des objets qui paraissent directement les flux ou des sujets qui pourraient être idéologiquement plus sensibles, prendre vraiment des objets concrets du quotidien et surtout ce que disait Camille Gattoni, qui ont une influence jusque dans la classe ou dans les cours ou dans les amphis au quotidien. Merci beaucoup, Frédéric Vessler, pour cette réponse à cette question. Alors, je vous propose de conclure cette émission. Nous arrivons déjà à son terme. On n'aura pas le temps pour prendre de nouvelles questions. Vous avez été nombreux cette fois-ci à réagir sur la plateforme Mentimeter et nous vous en remercions. Je vous invite à poursuivre les débats, encore une fois, c'est sur Twitter, avec ce hashtag DirectIH2EF. Mentionnez nos intervenants du jour pour poursuivre le débat avec eux. Et puis, bien sûr, il y aura le colloque la semaine prochaine pour aller beaucoup plus loin dans les débats. Charles Torossian, je vais, juste avant de conclure, donner la parole à Sylvaine Paul, qui va nous présenter justement la sélection de ressources et notamment le programme de ce colloque. On la découvre en images. Merci Marc-Antoine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur ce point ressources consacré au colloque Continuum SCOSUP. Allons tout de suite voir sur le site de l'IH2EF les pages qui sont consacrées à ce colloque. Donc la page de présentation avec les dates du 8 au 11 février, je vous le rappelle. Vous y retrouvez également l'onglet programme, donc le programme y est détaillé journée par journée avec des codes couleurs dont la légende est précisée également sur la page. Donc ce colloque, comme il a été évoqué pendant l'émission, donc, poursuit les travaux qui ont été entamés à l'IH2EF du mois de février à mai 2021, donc sur les journées d'études portant sur l'orientation. Donc ce colloque, il a pour but en fait de faire travailler ensemble la communauté d'acteurs et de responsables du continuum SCOSUP pour assurer une continuité dans le cadre des réformes du lycée et de l'enseignement supérieur, faire le point sur ce que la science nous apporte et ce qu'elle nous dit des façons d'accompagner, de privilégier l'égalité d'accès et de favoriser la réussite des parcours des élèves et des étudiants. Et puis essayer de trouver un langage commun entre tous les acteurs et les pilotes territoriaux. Ce colloque, ce sera 300 participants, 77 intervenants dans différentes configurations. Il y aura par exemple 15 ateliers thématiques, des multiplex pour effectuer les synthèses, 6 conférences internationales, 13 communications recherche, une table ronde et puis toutes les ressources qui seront produites à l'occasion de ce colloque, bien sûr, et qui s'adressent au cadre et à l'ensemble de la communauté éducative seront mises à disposition sur le site de l'IH2EF. Ce colloque sera ouvert par Marc Demeuse, donc, qui est un psychologue et statisticien belge, professeur à l'Université de Mons en psychologie et statistique. Il est bien sûr spécialiste des systèmes éducatifs et membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale français depuis 2018. Cette conférence, donc intitulée « Le souci de l'orientation », portera sur penser l'orientation, les programmes, dans une vision d'ensemble et selon une approche curriculaire pour favoriser donc la construction de sa vie. D'autres ressources en lien avec la thématique, le rapport thématique annuel de l'Inspection générale de 2020, qui porte donc sur l'orientation de la quatrième au master. Donc ce rapport est divisé en deux parties. Une première partie qui s'interroge sur l'orientation, de quoi parle-t-on. La deuxième partie porte sur l'orientation, toujours bien entendu, sur ses réalités. Quelles réalités? Donc au collège, bac-3, bac+3. Bien entendu, on ne peut pas parler d'orientation sans rappeler la parution de l'ouvrage « Orientation scolaire » publié en 2020, dont l'auteur est Frédéric Vexler, donc inspectrice générale de l'Éducation nationale.
que vous retrouverez bien entendu dans la sélection de ressources. Le numéro 411 du bref du CEREC, publié en 2021, donc, porte sur les compétences transversales et leur validation. Donc on fait un tour d'horizon sur ces compétences, comment les valider et comment est-ce que ça se passe dans les pays de l'Europe. Le dernier numéro des notes d'information du CIES, donc, qui est paru en janvier 2021, tout récemment, porte lui sur Parcoursup et le nouveau baccalauréat général. Donc quelles incidences, quelle analyse fait-on de la plateforme Parcoursup, de son fonctionnement par rapport au nouveau baccalauréat. Dans un article intitulé « Les filles et les garçons face aux sciences », on aborde l'inégalité filles-garçons dans les disciplines scientifiques. Donc cet article se réfère à une enquête qui a été menée dans les lycées de l'Île-de-France. Un numéro d'éducation et socialisation qui porte quant à lui sur l'égalité des chances et sur le dispositif « Les cordées de la réussite ». Donc une analyse sur l'Académie de Strasbourg. Voilà pour ce petit point ressources sur l'orientation et le continuum Bac-3, Bac+3. J'aurai le plaisir de vous retrouver le 15 février pour un point ressources consacré au Service National Universel. Permettez-moi de vous rappeler que toutes ces ressources qui ont été présentées aujourd'hui, ainsi que d'autres ressources complémentaires, seront à votre disposition sur la page des replays de l'émission, donc sur le site de l'IH2EF. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, à vous remercier de votre fidélité. Marc-Antoine, je vous repasse la parole en studio. Bonne soirée. Merci beaucoup Sylvaine pour ce point ressources et cette présentation du programme de notre colloque qui aura lieu donc la semaine prochaine. Vient l'heure pour moi de conclure ce direct en remerciant tout d'abord nos intervenants à distance, Guillaume Gelet, Frédéric Alexandre Bailly, Frédéric Wexler, Cécile Lecomte, Emmanuel Leclerc, Camille Dapoigny, Jean Pralon, Antonietta Spéconia et Marc Dubois. Et puis vous remerciez-vous, Charles Torossian, d'avoir été présent avec nous en plateau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et en tout cas, je vous souhaite un bon colloque la semaine prochaine. Nous, pour notre part, on se retrouve, comme vous l'a précisé Sylvaine, le 15 février prochain pour un nouveau numéro des mardis de l'IH2EF sur le service national universel. D'ici là, continuez de réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag #IH2EF. Partagez éventuellement cette émission, regardez-la en replay sur YouTube et sur le site de l'IH2EF. Passez une très belle soirée, à très bientôt.